Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc nous allons décoller en mode assistant désactivé, assistance de vol désactivée. J'ai trouvé un système avec une planète très... une station très très proche. Tiens d'ailleurs j'ai pas pensé à regarder s'il y avait des ravitaillements. Très très proche. Vous allez pouvoir le voir comme ça, voilà, ici à Soumeya, vous voyez c'est juste un saut. Crac, on va regarder quand même si elle fait ce qu'il faut. Parce qu'il y a, est-ce qu'elle a fait le café? Est-ce qu'il y a du café sur place? Est-ce qu'il y a du café sur place? Est-ce que c'est marqué, cela dit? Apprentage, contact, réparation, ravitaillement, marchandises. Parfait. Parfait, parfait. Et elle, donc, elle est à 28 SL. Donc, c'est vraiment quelques secondes. Hop, on part. Attention, en mode assistance désactivée. Du coup, je garde... Non, je garde pas... Je garde zéro bouton. Ok, on y est. Hop. Je vais compenser maintenant la vitesse. Là. Hop, on part tout droit. Hop, on va s'embêter. Excès de vitesse, t'es sérieux? Hop. Ah oui, j'ai le train d'atterrissage. Voilà. Crac. Nous y sommes. Et on a réussi le décollage. GG à nous. Attends, la question est, c'est... Voilà, on vient comme ça parce que fuck it. Va falloir qu'on s'y entraîne, chers amis. Il va vraiment falloir qu'on s'y entraîne parce qu'apparemment ça va être vraiment beaucoup en combat. J'en profite cependant pour rajouter ceci, remettre des points là. Et on saute. On saute, chers amis, tout simplement. Bon. Bon, bon, bon. Crac, ça va être fait, ça va être sympa. Et après, montage. Parce qu'il est déjà pratiquement 23h. Et j'ai pas commencé le moindre montage. Catastrophe. Catastrophe, chers amis. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Je regarde un truc, chers amis. Peut-être pas tout de suite. Donc. Normalement. Dans les premiers trucs. C'est marrant. C'est marrant, je... Ah merde. Ah, mais ils font chier. Font chier. Ça, c'est un nom de méchant dans Borderlands. C'est Lawson Plant, d'accord. Ok. Why not. C'était bel et bien celle-ci qui se barre. Ok. Ce qui veut dire qu'on est clairement pas dans la bonne direction. Tiens, on a une mission, un truc. Oh! Oh! Allié! Oui! Oui, cher... Oula, je viens de bourrer le micro! Oui, on est allié vis-à-vis de la réputation, vis-à-vis de la fédération. Je vais plutôt dire le bon mot. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente, excellente nouvelle. À quoi ça sert? À rien. Je sais pas trop, à vrai dire. Hop. On va s'échapper du soleil quand même. Que je sache à quoi ça sert maintenant depuis la 2.1. Que ça a dû changer. Ça a dû changer. Je ne sais pas, à vrai dire. Je ne sais pas. Est-ce que ça augmente? Ça augmente peut-être la réputation, le gain de progression dans les rangs aussi, tiens, tout simplement. Hein. J'irai me renseigner tout à l'heure, je pense. Je voulais juste voir au niveau de... Hop, de l'Empire.
Crac, on se remet bien en face. Ah, on peut avoir l'Imperial Eagle si on veut, ça peut être rigolo. L'Imperial Courrier, l'Imperial Clipper, il me semble qu'on a, on a dépassé le rang baron, hein, de mémoire. Serre, ah bah non. Hop. Ah non, on est à peine rang 2. Ah bah dis donc, je croyais qu'on était plus haut que ça. Alors là, là ça me surprend. Bon, c'est comme ça, hein. Hello there. N'inquiétez pas, je baisse ma vitesse, je réponds à vos exigences. Cela dit, je vois des choses qui tournent. Du coup, ah non, c'est bon, je viens de la voir, mince. Mince, mince, mince. Oui, excusez-moi, je ralentis. Je ralentis. Pas de soucis, excusez-moi, parce que je... Oh là là, excusez-moi, excusez-moi, franchement. Si c'était pas ma femme qui conduisait, honnêtement, je pourrais faire mieux, hein, mais là, malheureusement, elle est au volant et je peux pas. Femme au volant, mort, au tournant. Je suis désolé, c'était complètement sexiste. Il y a des femmes qui conduisent extrêmement bien et bien, bien mieux que certains hommes. Que beaucoup d'hommes, même, je dirais. Oui, j'ai oublié. Bah, vous voyez, comme quoi. Comme quoi. Hein. Et je suis pas dans la bonne direction. Bah, oui, je fais le demi-tour. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait. Ah, oui, je suis pas dans le bon sens, chers amis. Oh, des couilles. Regardez ça. Ou des boobs, ça dépend, vous voyez ce que... Ou des globes oculaires. Des globes oculaires de haut, à mon avis. Il y a deux yeux. Deux yeux qui me regardent, chers amis. Ils me regardent. Oh, elle me dit pas que je suis pas bon, hein. Voilà, merci. Crac. Service de spatioport, tout ça pour faire une recharge. Putain. Hop, faire le plein, ravitaillement, merci. Merci, merci. Au passage, dans ravitaillement, on va regarder. J'ai 3 dissipateurs thermiques, 4 réserves de cellules d'énergie. Il me faudrait en fait un dissipateur thermique supplémentaire, que je puisse en avoir le même nombre, et savoir à combien j'en suis. Donc quand il me reste plus qu'une réserve de cellules... ah non, d'accord, non, c'est pire que ça. Quand je n'ai plus de dissipateur thermique, il me reste encore une réserve de cellules d'énergie, mais c'est dangereux de l'utiliser. D'accord. Oh, c'est compliqué. Rien de ce côté-là, c'est parfait. Ok, bon, eh ben on y retourne. Je commence à avoir des doutes au niveau de ce mariage. Oh là, c'est pas souvent qu'on entend parler de ça. Enfin, en tout cas, dans le jeu. Tu viens me voir le jour du mariage de ma fille. Bref. Pour me demander. Justice. Bref. Vous savez quoi? Votre réglementation sur la vitesse, vous pouvez vous la mettre au cul. Moi, je pars. Crac. Je pense que... Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plairait que j'aille plus souvent dans les menus? Je veux dire, par exemple, là, habituellement, moi, quand je fais un saut, j'appuie sur la touche J de mon clavier. Classique. Mais, effectivement, on est dans un vaisseau. Niveau immersion, est-ce qu'aller dans le menu vous semble un peu mieux, tout simplement. C'est comme par exemple quand je fais. Quand j'allume mes phares, j'allume toujours avec la touche L. Parce que apparemment, light, je ne le vois pas ici. Hein, soyons honnêtes, hein. Je ne le vois pas là. Je ne le vois pas là. Je ne le vois. Je peux pas aller dans la partie centrale parce que j'ai enlevé le bouton. Hop. Alors. Tessels, c'est vraiment pas loin. Ça devrait assez vite. Allez, ça devrait aller assez vite, pardon. Donc vous voyez, par exemple, si je veux allumer ma lumière, je vais là, hop, je vais dans mes fonctions. Hop, parce que c'est là que ça va normalement.
pareil pour le train d'atterrissage, est-ce que je fais crac, crac? Ça pourrait être sympa. Personnellement, je trouve que ça pourrait être sympa, mais il faut juste que j'y pense. C'est limite là où, par exemple, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que si je veux y jouer, par exemple, pendant les 15 jours où je serai absent, ce qu'il faudrait, c'est que je supprime sur mon PC portable, en fait, toutes ces touches raccourcies, et que je les mette, comme ça, je prendrai le coup, si j'y joue pendant un petit peu, pendant que je suis absent. Mais bon, potentiellement, il se pourrait que je joue un autre jeu avec certains membres de mes... avec certains de mes proches, simplement. Et du coup... Et même s'il fait beau, tant que je sois même pas devant le PC, donc... donc bon, on verra bien. On verra bien, ça sert à rien de faire des plans sur le lendemain. Parce que bon, on n'en sait rien de ce qui va arriver. Si ça se trouve, la fin du monde, c'est pour demain. Enfin bon. Et ne croyez pas ceux qui disent qu'il faut vivre chaque jour comme étant comme si c'était le dernier jour. Hein. C'est pas faux, mais c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Parce que ça, en fait, ça voudrait dire plein de choses. Parce qu'en fait, si on extrapole un petit peu cette phrase, ça voudrait dire que bah tiens, c'est le dernier jour. Vous avez toujours une personne qui est un peu mal dans sa tête pourrait dire ah bah tiens, c'est le dernier jour que j'ai vu sur Terre. J'ai toujours voulu violer quelqu'un pour le plaisir. Non, donc vous voyez, c'est pas la meilleure des façons. Vivez surtout comme vous l'entendez. Et là, ça suffira. Point barre. Vivez dans le respect des autres et comme vous voudriez que les autres vous respectent. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire respectez-vous et respectez les autres. Si vous faites tout en gardant ça à l'esprit, tout ce que vous voulez en gardant ça à l'esprit, ce que vous ferez n'en sortira pas forcément mauvais. Ce qui sortira de ce que vous faites ne sera pas forcément mauvais. Je vais arriver à parler un jour, hein, mais là il est un peu trop tard. Je parle plus à cette heure-là, moi je fais l'amour. Je vais te faire l'amour, ma beauté. T'allonger nu devant la cheminée. Et caresser ton corps de déesse. Te faire gémir et transpirer. Guetteur du gang de Kumo. Souvent c'est pas bon ça. Delta Phoenix. Un Viper MK3. Alors, qu'est-ce que tu planques dans ta soute? Qu'est-ce que je planque dans ma soute? Des choses. Oh merde. Merde, les deux vont être sur moi. Merde, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Je suis désolé, chers amis, mais là, ça me... J'ai voulu me défendre bêtement. Et je l'ai dans le fion, littéralement, parce que voilà, je refais la même connerie que d'habitude. Ok. Eh bien écoutez, on se rebarre et je vais refaire encore une ellipse de 10 minutes. On va voir si je me trompe, hein, mais... Arrêt, trop près? What the fuck? Oh là là, c'est vraiment pour faire mal. Oui d'accord, c'est bien ce que j'ai, donc j'ai bien 10 minutes de... Putain, mais y'a quelqu'un? Y'a un flic? Oh merde! Il y a un putain de flic. Bon, on va partir dans la direction tout droit et moi je vous retrouve dans 10 minutes, chers amis, à tout de suite. Je suis stupide. Je viens d'apprendre un truc, quand on laisse la charge se faire, on a une surchauffe. C'est génial, j'étais en train de tourner tranquillement, j'avais pas percuté. Et voilà, voilà ce qui se passe. Hop, non, je peux me faire avoir. Là autre chose, je savais pas que ça se passait comme ça. C'est nouveau pour moi. Bon, voilà. Mais oui, j'ai bien compris, oui. Tu te fous de ma gueule, je sais tout ce que j'ai compris. Ok, bon. C'est derrière. J'étais derrière, j'étais devant. J'étais tout seul. À l'enterrement. Bon. Par contre, j'entends qu'à moitié parce que j'ai une oreillette. Voilà, casse-toi. Merci, c'est bien. Hop. On va retourner sur Nelson Enterprise, qui n'est pas drôle du tout, mais bon, malheureusement, c'est nécessaire. Vu que du coup, j'ai perdu des points, j'imagine. Ouf, ça m'a bourré. Oh, comment 97. Oh la gueule. Enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bah, limite, je vous retrouve juste après. Ouais, je vous retrouve juste après. A tout de suite, les gens. Oh, j'ai reçu une amende parce que j'ai atterri sur la... Je croyais que j'étais sur la bonne baie, en fait, non. Oh, mais c'est l'épisode du caca. Oh là là, l'épisode du caca.
Ne pas tourner d'épisode d'Elite Dangerous la nuit, Marcus, c'est pas bon. Tu te crois aux toilettes, tu fais des choses pas bien, c'est un peu dégueulasse, t'en as mis partout en plus. Crac. Oh là là! L'épisode du caca! L'épisode du caca! Je voulais voir au passage au niveau de l'équipementier. Et franchement, je commence à me demander si je devrais pas m'arrêter là. Il faut que j'aille voir les contacts! Les contacts, les contacts, les contacts! Oh! Ah. Bon. Hop. Marche arrière. Tout ça, tout ça. Allez, fais péter. Point d'emport. J'ai un accélérateur à plasma. Parcourir la boutique. Canon. Il en a 3. 3C. Il a qu'un 3 fixe. Mais merde, je cherche un 3. Un 3 pivotant, moi, personnellement. Je cherche un 3 pivotant. Je cherche un 3 pivotant. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ok. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça doit être par ici, non? Non. Utilitaire. Ah, c'est par ici. Sillage FSD, parcourir. Le temps 2, on va remettre un... Metteur d'avis de recherche qui coûte super cher, là. Voilà. Coûte 1 million, le bourrin. C'est... pas le choix de toute façon. Hop. Crac. Et on va y retourner. Ah, c'est même pas traduit entièrement. J'ai vu Select Group au-dessus. C'était même pas traduit entièrement. On y retourne. Les gros vaisseaux, on les scanne maintenant. On y pense. Ah, il faut que je le mette aussi, non? Ok. Alors attendez, plutôt je fais plutôt ça comme ça. Regardez. Regardez. Hop, hop, hop. Et ici je mets un crack. Voilà. Ça c'est fait. Ce qui fait que je peux le scanner et me préparer à attaquer dès l'instant où il est fini de scanner. Ou de continuer à tirer pendant qu'il est scanné. Ce qui serait pas mal. Compte tenu du fait qu'on meurt assez... Enfin, on en chie un petit peu, on va dire. On va dire qu'on meurt parce qu'on n'est pas mort. On n'est pas encore mort. On a frôlé la mort plusieurs fois. Mais on n'est pas encore mort. Que je sache. Bon. Bon, bon, bon. Pourquoi quand je parlais, j'entendais, vous savez... Ah, le forgeron de dragon. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Dommage. Vraiment dommage. Honte sur moi. Celui qui leur apprend la dragonitude. On va dire ça comme ça. Vu qu'il parle à un moment de vikingitude, je pense que je peux me permettre de parler de dragonitude. Voilà, j'annonce, j'emploie des mots qui n'existent pas. C'est le début de la fin. De toute façon, je vous l'avais dit qu'il est trop tard, c'est l'épisode du caca. C'est l'épisode du caca. Je sens que je vais finir sur une mort atroce et douloureuse. Mais bon, ce serait pas une première fois. Voilà, on part comme ça. Hello guys, what did you get damn shit? Un anaconda, mais je crois qu'il me suit celui-là en plus. Détecteur d'avis de recherche, voilà ce que je cherchais justement. Est-ce que tu es recherché partout dans le monde entier? Ok. Je pense que oui. Scan detected. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Hop, oh bah il se fait attaquer par quelqu'un d'autre. Ah, il a plus d'intérêt pour moi apparemment. Hop les. Je l'ai bien eu. Je l'ai bien eu, je l'ai bien eu. Hop les, tiens vas-y, bouge par là. Hop. Crac. Hop.
Hop. Et de une. Crac. On essaye une manœuvre. Ok, j'ai pas gagné de bouclier, ce qui veut dire qu'il m'a fait plus de dégâts que j'ai régène. Ce qui est une véritable catastrophe. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Les dégâts qu'il me fait! Ce malade mental! Il nous faut fuir! Ah, oh, puis la vache! FSD panne! Oh la vache! Eh ben non, on est mort! Je l'avais dit! Je l'avais dit que l'épisode du caca était terrible! J'ai perdu mes méta-alliages, j'ai perdu plein de choses. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, chers amis. J'aurais pas dû. Pourquoi une config à 5008? Ah oui, voilà, d'accord, oui, ok. Je comprends mieux. Bon. Bon, l'épisode du caca. Hop, je me note l'épisode. L'épisode du caca. EDH, le caca. Voilà. C'est l'épisode du caca. Là c'est l'emote que je fais pour baisser les yeux. Voilà. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser sur cette fin d'épisode caca. Merci d'avoir regardé cet épisode caca. C'était Marcus Bonus dans la Playroom qui a fait du caca. Voilà, ça